ça, c'est moi. Si j'avais su, j'aurais pu l'éviter. Vous devez certainement vous demander que s'est-il passé et surtout pourquoi. Je vous raconte. Elle est où la bouffe? Papa? Elle est où la bouffe? Je n'ai pas encore fini, chérie. Je finis et je m'y mets. Bon, sorcier, les gens disent quoi? Je rentre, ta bouffe doit être prête! Mais chérie, je vais m'en occuper, je finis juste de ranger ça. Tu la fermes, tu fous jamais rien ici! Eden, tu voulais me voir, c'est ça? T'es pas dans un bon mood? J'ai mal dormi, je me suis mal réveillé parce que... Voilà, comme tu sais, ça fait 14 ans jour pour jour que ma mère n'est plus bien psychologiquement, mentalement et physiquement. Et que mon père est parti et n'est jamais revenu. Vraiment, je maudis vraiment cette date. Non, attends, chérie. Je comprends, ok, c'est dur, mais t'es un homme fort, et puis de toute façon t'as la famille, je suis là, et Dieu est là sur toi. Ne parle pas de lui, s'il te plaît, ne parle pas de lui. Tu vas encore plus me déprimer. Mais non, je vais pas être déprimée, c'est pas le but. Ouais. Mais, s'il avait été là, je pense vraiment que tout ça se serait passé, vraiment. En vrai, je sais pas. Voilà, toi-même, tu sais pas. Bref. Je pense qu'on va aller se prendre un truc parce que c'est vraiment ça qui va me remonter le moral. Ok, on va. Voilà. Bonsoir, papa. Salut. Mais tu n'as pas vu mes appels? Si, je les ai vus. Pourquoi tu ne reprenais pas mes appels? Non, mais c'est que... Oui, mais toujours avec ce jeune homme que je t'interdis. Pourquoi tu n'écoutes pas quand je te parle? Je t'ai déjà parlé d'arrêter avec ce jeune homme-là. Pourquoi tu n'arrêtes pas? Il est pas là, toi, tu es chrétienne. Tu veux me faire honte? Donc, je te dis, t'arrêtes de me faire honte. Tu dois penser à ta famille, tes soeurs et tes frères.
Avec ce monsieur, il n'y a pas un chemin génial. Donc tu m'arrêtes cette relation dès maintenant. Allez, qui devant moi? On se retrouve à toi pour regarder un film. Mais bon, vous n'étiez pas là. Pour qu'on regarde un film? Ouais, pour regarder un film. Ah ouais, mais c'est vrai, j'avoue que ça fait longtemps qu'on se propose tous les trois. Ouais. En même temps, c'est normal. Ces derniers temps, t'es tout le temps dehors, on sait même pas ce que tu fais. Je me fais des sous. Et c'est pour vous. J'espère que tu vas pas chercher les sous là dans les bails bizarres. Hein. mais non. D'ailleurs. Dès demain, sans faute, je suis là. Ok? Et c'est moi qui régale, d'accord? Ok, c'est carrément fils. Fais plus ça, hein? Non. Donne-moi la manette, là, je te tape. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bien, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Surtout faire un truc pour quelqu'un que je connais pas. Non. Non, mais lui, il te connaît. Mais à chaque fois, tu me parles de ça, tu me parles de faire tel truc, mais toi, fais-le. Non. Eden, faut que je te parle. Ouais, qu'est-ce que là? D'habitude, on est là, très bizarre. Le gamin peut voir rien, mais c'est urgent. Ça va aller où? Pourquoi? Faut que j'enlève ces putains de fringues. Je crois qu'il faudrait qu'on se sépare. Qu'on se sépare? Mon père, il est contre notre relation, puis en vrai, je crois qu'il a pas tort. Il est contre nous et il a pas tort, blessé. Non, mais c'est compliqué, faudrait qu'on se fiance, faudrait qu'on se marie. Et en quoi c'est compliqué, je comprends pas. Non, mais comprends-moi, s'il te plaît. Comprendre quoi, blessé? C'est quoi nos valeurs? Quelle valeur? Quelle valeur tu me parles? Non, mais on peut pas rester comme ça. Personne va conduire ma vie, tu comprends? Non, mais c'est bon, je te demande pas de plus. Personne va conduire ma vie. J'ai pas dit qu'on allait te conduire. Mais Eden, arrête, Eden,
coup, chérie. Je sais que je m'en veux. Pardonne-moi. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Réponds à mes appels, s'il te plaît. Meilleur buteur, meilleur joueur de l'année, Messi, plus bonne chose. Tranquille quoi, mon gars? Ben, on est là et t'es en forme? Comment? Ouais, tranquille. Alors, t'as le bail ou pas? Ouais, j'ai, mais... tu connais, ça va pas être assez. Hein. Ah, mon gars, ça fait trois fois, là, le gérant, il va pas être content. Hein. Je gère. Vas-y, prends soin de toi, la famille. Moi, je suis pressé. Là, j'ai rendez-vous avec la famille, tu vois. Ouais. Okay. Vas-y, on se pète. Hein. Vas-y, on va. Vas-y, bien vu. No purpose. I wanna give you the world, but you gotta show me you worth it. I do not care how you twerking, I wanna see how you worship. And how do you act when we open the door and we leaving the churches? It's crazy how everything working. How could you take on my burdens? Lord, I know that I ain't perfect, but when I go back to my dogs, see a whole different person. No, I don't care what they saying. No, I don't care if they chirping. That's for the birds. Owe me like Usher, I went let it burn. People... Oui, allô, bonsoir. Ce sera pour commander, s'il vous plaît. Je passe une magnifique soirée ce soir, donc j'aimerais avoir trois bonnes pizzas. C'est ça. Du coup, j'aimerais avoir une maxi en bacon groovy et deux médiums en oriental, s'il vous plaît. Merci, à plus tard. Ce soir est une bonne soirée. Crève! Eden, mon fils. Qui est là? N'aie crainte. Je suis l'Éternel et je parle au-dedans de toi. Mais où suis-je? Tu es dans le repos. Ici règne ma paix. Je suis mort? Non, fils. Ton corps est juste en bas. Regarde. Let it be your eyes on me.
tu ne commettras pas de meurtre. Alors t'as voulu me douiller? Je suis le mec en plus, hein. Alors, c'en est où? Je veux pas donner de nom. Je veux pas donner de nom. Bon, on va employer la méthode forte. Je vais m'occuper de son cas. Tu vas te dessiner à donner des noms? Le premier gars, c'est tu peux mieux faire. Donne-moi les noms. Donne-moi les noms. Deuxième personne. Tire. Tu ne commettras pas de vol. Et dernier single. Ok, je recherche ça. Ça sera porte 443 à gauche. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Aidez. Oh mon Dieu. Maman. Tout ça. Je veux marcher droit. Tu vois, fils, tu as péché. Tu as péché. Et tes péchés ont des répercussions sur la famille que je t'ai donnée. Je veux réparer mes fautes. Pardonne-moi, père. Tu te repens ici, mais il est trop tard. Je t'avais confié une mission à accomplir sur la terre. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Eden? Qu'as-tu fait? Ok, Seigneur, je vais rattraper toutes mes erreurs. J'accepte de te suivre. Je lâche prise. Prends ma vie. J'accepte de te suivre. Ton heure n'est pas encore arrivée. Je te renvoie, Eden. Je te renvoie. Reçois mon esprit, mon amour, ma grâce et ma puissance.
Va et change l'histoire de ces peuples. Telle est l'alliance que je bâtis avec toi. Franchement, j'ai bien mangé. Je savais pas qu'il y avait un resto comme ça ici. Hein. Mais il est vraiment bien. On va revenir. Ok, bon. En fait, chérie, le but de cette soirée, de cette sortie, c'était tout simplement en fait pour témoigner combien je t'aime. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Oh. Qui croirait qu'un jour j'allais dire ça? Franchement, c'est incroyable. Je bénis le Seigneur vraiment pour ta vie. Parce que aujourd'hui je suis un homme et c'est grâce à toi et surtout grâce à lui. Et franchement, je sais que tu es celle qu'il me faut. Tu es vraiment celle qu'il me faut. Et j'ai pris conscience que c'est toi que je veux pour la vie. Et c'est pour ça que. Eden! Qu'est-ce que tu fais? Blessing, veux-tu m'épouser? Oui, je vais t'épouser, mais t'es fou, mais... Mais oui, je vais t'épouser.